Le monde serait plus beau sans toi. Personne t'aime, reste seul. T'es moche, tu sers à rien. Quel casseau, Moi, c'est Enzo. J'ai été victime de harcèlement scolaire. Je vais vous raconter mon histoire. Tout a commencé par de simples moments de solitude. Je n'ai jamais compris pourquoi, d'ailleurs. Et ensuite, tout s'est très vite aggravé. Il y a quel résultat vous avez trouvé pour la première équation? Oui. X égale 1. Ouais, x égale 1. Donc, je vais résoudre avec vous. On donne 3x. Plus x égale 4. Bon, 4x égale 4. Et donc, plus x égale 1. Je vais essayer de corriger sur mon feuille. Vous allez prendre une couleur par équipe de 3 et ensuite on va mettre en place sur chaque panneau la même chose que j'ai mis en place là-bas, à savoir 3 plots à droite, 3 plots à gauche. Regardez qui voilà. Je ne pouvais pas en parler. Mon entourage n'aurait pas compris ce que je vivais. A préféré ne rien dire, j'ai passé de très longs moments, les pires de ma vie, à souffrir. À tel point que je me suis demandé si je devais continuer à vivre. J'ai longuement hésité, mais j'ai pris conscience qu'il fallait en parler. Depuis, j'ai réussi à surmonter cette mauvaise phase de ma vie, et je suis devenu une personne grandie et engagée pour lutter contre le harcèlement. Je m'appelle Gladys, j'ai été victime de harcèlement scolaire et je vais vous raconter mon histoire. Tout allait bien dans ma vie. Jusqu'à ce que je fasse une erreur qui ne regardait personne. J'ai été infidèle. La rumeur s'est vite répandue et a pris de l'ampleur encore plus rapidement. Tout le monde m'a jugée et m'a tourné le dos, jusqu'à mes meilleurs amis. Je me suis retrouvée toute seule et c'est là que le pire a commencé. Allô? Ouais Gladys, t'es qu'une grosse pute, pas crevée. Tu te crois blanche comme neige, pas au quartier rouge.
Je ne pouvais pas en parler, mon entourage n'aurait pas compris ce que je vivais. Je n'osais même plus venir au lycée. Bonjour, je suis Monsieur Larouel, conseiller principal d'éducation du lycée. Je vous appelle parce que Gladys ne vient plus en cours depuis plusieurs jours et nous n'avons pas de retour de votre part et du coup nous sommes inquiets. Pouvez-vous nous rappeler rapidement s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Au revoir. Je me suis demandé si je devais continuer à vivre. Et c'est là que j'ai fait la pire erreur de ma vie. Importante et sérieuse à la fois. Gladys a tenté de mettre fin à ses jours. Je ne connais pas les motifs de son geste. Ce que je peux vous dire seulement, ce qui est rassurant, c'est qu'elle est hors de danger. Et je ne peux pas vous en dire plus. Je m'en suis sortie, mais avec le recul et en voyant toutes les personnes qui m'ont apporté leur soutien, je regrette et je me dis que j'aurais mieux fait d'en parler. Moi, c'est Marine. J'ai été victime de harcèlement scolaire. Je m'appelle Alex, et je regrette de ne pas en avoir parlé plus. J'ai décidé d'en parler depuis que je vais mieux. Moi, c'est Pauline. J'ai souvent été tabassée, insultée et réduite, sans vraiment comprendre. Tout le monde m'a rejetée, j'ai jamais compris pourquoi. Mais j'en ai parlé et tout va mieux maintenant. Moi, c'est Alizée. J'ai été victime de harcèlement scolaire durant ma première année de lycée. Moi, c'est Marie. Je m'appelle Alex. Moi, c'est Marie. Je m'appelle Alex. Moi, c'est Alex. J'ai été victime de harcèlement scolaire et réduit. Les blessures que j'ai eues sont invisibles à l'adolescent. Cela a été un certain temps jusqu'à ce que je... J'ai failli tout arrêter, mais j'ai réussi à en parler et depuis, je vais beaucoup mieux.